Allô Brigitte? Oui, bonjour, c'est Jack. Ta visite chez Molichon, comment ça s'est passé? Ah, il n'a pas encore signé le contrat. Ah, bah écoute, c'est pas grave. L'important, c'est de garder le contact. Ah oui, bah, je comprends ta déception, Brigitte, mais je suis sûr que t'as fait ton maximum. Ah, attends, quitte pas, j'ai le boss en double appel. Allô? Pardon. Ah, bonjour, monsieur le C'est directeur. quoi ces chiffres de merde là? Mais tu as vu? Moins 10% ce mois-ci? Ah bon? Mais oui, mais vous savez, on fait notre possible, hein, c'est... C'est inacceptable! Tu as un plan d'action ce soir à D'accord, 18h! je mobilise les troupes. Oui, on en était où? Ah bah oui, ah bah oui! Eh bah, c'est ce que je te disais, Brigitte, ça peut pas continuer comme ça! Hein? Il va falloir faire chauffer la gomme et puis ça! Mais je me contrefous de ce que t'as fait, moi ce que je regarde, c'est le compteur! Laisse-moi te dire une bonne chose, Brigitte, hein. Tu n'es pas sur la bonne trajectoire. Tu vas... Attention, attention, tu vas tout droit dans le mur. Et tu vas finir dans le bac à sable. Non. Stop. T'en mords. Tu sais ce que tu fais? Tu prends ton casque et tu retournes chez Bolichon. Et si tu ne ramènes pas ce contrat ce soir, tu sais ce qui t'attend. Fini l'école privée. La petite auto, les vacances au Crotoy. Moi, je veux te voir sur le podium. Je veux d'une winneuse, pas d'une pleureuse. Voilà. Et si la qualité d'un pilote, c'était d'abord d'absorber la pression?